Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Est-ce que vous êtes en pleine forme aujourd'hui? Oui, je l'espère. Donc, quiz de vocabulaire sur l'été. C'est parti pour la question numéro 1. Question numéro 1. C'est un accessoire que je vais mettre devant mes yeux pour les protéger du soleil. Qu'est-ce que je peux utiliser? Quel objet est-ce que je peux utiliser pour protéger mes yeux du soleil? Oui, super! Bien sûr, ce sont en effet les lunettes de soleil. Super, super, super. N'hésitez pas vous aussi hein, à écrire les réponses en commentaire. Bravo! C'est parti pour la deuxième question, la question numéro 2. C'est un vêtement que l'on met uniquement pour se baigner. Donc, par exemple, pour se baigner dans la mer ou à la piscine ou dans un lac, qu'est-ce qu'on va porter? On ne va pas porter un jean, on ne va pas porter un manteau, mais qu'est-ce qu'on met pour se baigner? Vous l'avez? Oui, bien sûr. Je vais pouvoir porter un maillot de bain pour me baigner. Super. Donc, maillot de bain, c'est le terme général, hein. Ça peut être pour les hommes et pour les femmes. Et puis après, il y a des petites variantes, hein. Il y a un maillot une pièce, un maillot deux pièces, un bikini, un short de bain. Maillot de bain, c'est vraiment le terme général. Super, super. Bravo pour vos bonnes réponses. Et c'est parti pour la question numéro 3. Question numéro 3. C'est un produit que l'on va étaler sur sa peau pour éviter d'attraper des coups de soleil. Comment s'appelle ce produit que l'on étale sur sa peau pour éviter d'attraper des coups de soleil? Est-ce que c'est du shampoing? Non. Est-ce que c'est du gel douche? Non plus. Alors, comment ça s'appelle? Non? Personne n'a la réponse? Le produit qu'on utilise et que l'on met sur sa peau pour se protéger du soleil et des coups de soleil. Oui, très bien, c'est en effet la crème solaire. Alors attention, hein, pas la crème de soleil, mais la crème solaire. Oui, c'est la crème solaire. Super, super, super. Et oui, hein, quand on a la peau un petit peu sensible, quand on a la peau claire ou tout simplement quand on veut se protéger si on s'expose longtemps au soleil, il va falloir mettre de la crème solaire. Super. C'est parti pour la question numéro 4. Quand on est à la plage, d'accord, quand on est à la plage, on peut installer sa serviette sur quelque chose qui est par terre à la plage, quelque chose qui est très fin, quelque chose qui est très chaud aussi au soleil en été, quelque chose qu'on va malheureusement ramener à la maison sans le faire exprès parce qu'il a tendance à s'infiltrer un petit peu sur les vêtements, sur les pieds, sur les serviettes. Comment est-ce que ça s'appelle? Qu'est-ce qu'il y a sur la plage? Oui, c'est le sable, tout à fait, tout à fait, tout à fait. Alors, il y a différents types de plages, hein. Il y a des plages de sable, il y a aussi des plages de galets, hein, d'accord? Mais disons, dans l'image de la plage paradisiaque, on imagine souvent une plage de sable. Super. Vous êtes prêts pour la question numéro 5? Oui? Super, super. C'est parti pour la question numéro 5. Alors, on a beaucoup parlé de la mer, mais finalement, en été, on peut aller dans d'autres endroits. Si par exemple, je dors en camping, dans quoi est-ce que je vais dormir? Est-ce que je vais dormir dans un igloo? Non. Est-ce que je vais dormir dans une maison? Non. Donc, c'est un logement, si on veut dire, hein, qui existe uniquement en camping, dans lequel il n'y a pas de mur, d'accord? Mais c'est un tissu qu'on va utiliser, en fait. Comment ça s'appelle? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr, c'est une tente. Super. Attention à l'orthographe, hein, parce que si on écrit une tente avec un A,
Alors, c'est autre chose, hein, ça, c'est le membre de la famille, hein, ça va être la femme de l'oncle, donc rien à voir, hein. Donc, une tente avec un E pour faire du camping. Super! C'est parti pour la question numéro 6. Question numéro 6, c'est un objet que les enfants, en général, c'est plutôt les enfants, que les enfants vont utiliser pour flotter sur l'eau. D'accord? Pour ne pas couler, pour ne pas se noyer, ils vont utiliser cet objet. On va devoir le gonfler avec de l'air et les enfants vont pouvoir l'utiliser pour flotter sur l'eau. Comment s'appelle cet objet? Oui, très bien. Waouh, bravo, bravo, bravo. Plein de bonnes réponses aujourd'hui. Tout à fait. C'est en effet une bouée. Oui, qui peut prendre différentes formes. Hein. Moi, quand j'étais petite, j'avais une bouée canard. Aujourd'hui, il y a des bouées licorne, des bouées flamant rose et beaucoup d'autres choses. Et c'est en effet un objet qu'on utilise pour éviter que les enfants coulent, hein, les enfants qui ne savent pas nager en général. Super! C'est parti, soyez prêts pour la question numéro 7. Question numéro 7, si je ne travaille pas, si j'ai une petite période de temps libre, donc ça va être par exemple une semaine, 2 semaines ou même 3 semaines pour les chanceux, une petite période où je ne travaille pas et où je vais pouvoir profiter pour partir en voyage, comment s'appelle cette période? Oui, une période pendant laquelle je ne travaille pas. Ce sont les... Oui, ce sont les vacances. Super, super, super. Tout à fait. Les vacances qu'on utilise ce jour au pluriel. Tout à fait. Super. On peut dire les congés aussi, c'est un synonyme. C'est parti, soyez prêts pour la question numéro 8. La question numéro 8. Alors, quand je suis en vacances en été et que je sors de la piscine ou que je sors de la mer, je vais pouvoir me sécher avec une... Qu'est-ce que je vais pouvoir utiliser pour me sécher après avoir pris un bain dans la piscine ou après m'être baigné dans la mer? Pour me sécher, je vais utiliser une... Ça commence par un S. Une, non, personne ne l'a? Une serviette, oui, super. Une serviette, donc une serviette de plage, hein, et ça va être le même mot pour une serviette de douche quand on se lave à la maison, hein. Et on utilise aussi une serviette pour la serviette de table. La serviette de table, c'est la serviette avec laquelle on va s'essuyer la bouche pendant le repas. Une serviette, donc. Super, super. Vous êtes prêts? Pour la question numéro 9, la question numéro 9, c'est donc l'avant-dernière question. Et c'est parti, l'avant-dernière question, c'est un objet que l'on utilise dans la mer pour regarder les poissons et pour voir sous l'eau de façon plus générale, mais on espère quand même voir des poissons. Quel est cet objet? Comment s'appelle cet objet qu'on utilise pour regarder les poissons et pour voir sous l'eau? C'est un... Oui, très bien, c'est un masque. Super. Et c'est rigolo, hein, parce qu'on utilise le même mot pour les masques qu'on a tous dû porter et qu'on doit toujours porter dans les magasins, hein, pendant la crise sanitaire. On appelle ça aussi un masque, alors que un est situé sur les yeux et l'autre est situé sur le nez et la bouche, mais c'est le même mot. C'est un masque. Super. Et si je pars faire une balade en snorkeling, je vais utiliser un masque, un tuba pour respirer et des palmes pour avancer plus vite. Vous savez tout sur le vocabulaire. Et c'est parti pour la dernière question, notre question numéro 10. Soyez prêts, soyez prêtes. La question numéro 10, c'est un objet que je mets sur ma tête pour éviter d'avoir trop chaud, pour me protéger un petit peu du soleil. Comment s'appelle cet accessoire que je mets sur ma tête pour me protéger du soleil, pour ne pas avoir trop chaud? C'est un...
C'est un, c'est un. C'est un chapeau. Bravo, bravo, bravo. Alors, félicitations à tous ceux qui ont écrit les réponses en commentaire. Hein. C'est super, vous avez bien joué. C'est vraiment super, super. Si la semaine prochaine, vous souhaitez carrément venir me rejoindre sur le live, eh bien, c'est possible, hein, puisque ce quiz est organisé toutes les semaines, tous les jeudis à midi. Vous aurez donc une autre possibilité de venir me rejoindre et de répondre en direct si vous le souhaitez, ou en commentaire si vous êtes tranquillement à la maison et que vous ne voulez pas participer au live. Il n'y a aucune obligation, bien entendu. Je vous invite également, je profite de vous avoir en ligne aujourd'hui, je vous invite également à regarder nos podcasts, puisque nous organisons des podcasts hein, avec l'école. Nous venons d'en sortir un nouveau, donc je vous mets le lien en commentaire et je vous le mettrai aussi après la vidéo directement en commentaire sur Facebook. Donc si vous souhaitez voir un petit peu ce que nous faisons, si vous souhaitez un petit peu pratiquer le français, bien sûr, n'hésitez pas à le regarder. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'ai été très heureuse de lire vos réponses. Je vous souhaite à tous et à toutes une bonne fin de journée, une bonne après-midi et un bon week-end par avance. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau quiz de vocabulaire. À très bientôt. Au revoir.